Salut à tous, alors on se retrouve pour la série des émulateurs sur Recalbox et puis on va essayer la Mega Drive 32X. Donc c'était le petit boîtier qu'on mettait sur la Mega Drive. Là, on va regarder quelques jeux. Tiens, ça c'est quoi? Une course avec Chuck? Comment ça s'appelait déjà le jeu? Ah, je me souviens plus. Je sais qu'il y avait des jeux de plateforme sur Mega Drive. Oh, c'est un peu lent à se lancer, ou 1995. Ah, Chuck Rock. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu alors? Oula. Des rockers. On va essayer les filles, tiens. Ah, le graphisme est particulier, je trouve. Elle peut crier. D'accord, mais en fait, on fait quoi avec notre bouton? Ok, donc il y a un bouton pour pédaler. Un bouton pour crier. Je suis 8e hein, quand même. Du coup, on s'ennuie un peu parce qu'on est tout seul. En fait, si la femme peut crier. Et nous, on peut juste faire du vélo. C'est quoi ça? Là, je vais arriver dernier. Ah, si, on a rattrapé un concurrent. Donc, en fait, c'est ici où faire attention au virage. Allez, pousse-toi. Ouais, ça vaut pas quand même un Mario Kart. Hein. Non, on va pas continuer, on va avoir un autre jeu. Alors, un jeu d'action. Oh, un jeu de combat. Ouais, il y a Doom. Ah, tiens, il y a un Sonic. C'était même pas Sonic, c'était Knuckles Chaotix. Mon dieu, des pixels. Ok, oh bah il n'y a pas de personnage. Ah, je crois que je vais essayer en fait et. Ah, par contre, j'avoue que là, les graphismes sont assez sympas. Ah oui, donc on est accroché en fait avec notre personnage à côté là. Et ça, c'est sympa parce qu'ils ont mis des petits effets graphiques. C'est un peu particulier. Oh mon dieu, regardez, je suis immense. On ouvre la porte. Ok, il faut mettre un ici, un là. Voilà, toi tu attends ici. Moi je vais. Non. Il va y avoir un bouton pour ça. Bouge plus, voilà, ok, c'est ça.
Eh bah, la prochaine fois, je suivrai le tuto. Ouais, le principe est sympa, en fait, les deux personnages sont liés, mais bon, on va pas faire ça tout le temps. J'ai l'impression que si. Voilà, bouge plus. Non, c'est pas ce bouton, c'est celui-là. Alors, ouais, ça, ton niveau libre, ton niveau long, on le voit. Non mais ils sont gentils, mais j'espère qu'on fait pas que ça pendant le jeu, quoi. Allez, viens ici, on presse. Non. Ok. Bon, je vais pas faire ça. Et le 32X, je l'avais pas acheté à l'époque. Je crois que ça, il n'y avait pas eu beaucoup de jeux dessus. Ça devait valoir un peu la peau des fesses quand même. Allez. Ok. Donc c'est l'interaction des deux personnages. Bon, enfin, on a vu ce que ça donne, puisque le jeu, voilà. Un Sonic, normalement, on n'arrête pas de courir. Et ici, il faut s'arrêter, il faut mettre les personnages. C'est beaucoup moins dynamique qu'un vrai Sonic. Colibri, un shoot 'em up. Simulation. Bon, ça risque d'être un peu long. Ah, Mortal Kombat 32X, allez, pour le fun. On va se faire démonter. Allez. Tiens, on va prendre la fille en rose là en bas. Round one, fight. Oh bah attends, j'ai plus le temps de trouver mes coups que je me suis déjà pris un pain. Ah, Milena, d'accord. Ah, oh, il est descendu, tiens. C'est à moi de le finir. Ah tiens, je suis tombé dans l'acide, il reste plus qu'un squelette. Bon, le Mortal Kombat est sympa. Alors ça, c'est un jeu tout en japonais. Space Warrior. Ah ouais, Star Wars. C'est Star Wars, mais ça fait... Là encore, voilà, avec les années, ça fait peur. Bon, on a trop la Star Wars. Alors, on a le choix. Super 32X avec 32X Unset, c'est-à-dire que c'est amélioré.
et l'arcade. On va faire le Unhanced. On va prendre un X-Wing. Oh, l'amiral Akbar. Attention, all wing pilots. Stand by to receive orders. Oui, chef. Après, c'est la pause. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y a des boutons L et R qui marchent. Hop là. Comment est-ce qu'on ralentit la vitesse? Bon, ça, c'est la vue. Ah, voilà, c'est ça, ok. Bouton ici. Donc j'en vois deux dans mon radar, mais je crois qu'ils sont en dessous de moi. C'est quoi ça? Allez hop. Non, c'est ça, c'est comme bouton, je suis trompé. Dans le visage. Hop là, une bombe à proton. J'ai loupé. Ça fait penser un peu à Starwing Star Fox sur Super Nintendo. Ah oui, il y a une limite de temps en haut, d'accord. Et alors, il est où lui? Oh, R2D2 autopilote. Oh, maintenant il faut en tuer 20. Ah, c'est sympa, on est au milieu des croiseurs. Par contre, voilà, les croiseurs sont encore une fois stylisés. Les toucher. Oh bah. Ça fait juste une rayure. Ah, il y a une tire dessus. Salaud. Tiens, on lui a coupé les ailes. Ce jeu est sympa si on fait abstraction voilà, des graphismes d'époque. Si tu me tires dessus. On peut pas la détruire là. Ok. C'est pas où c'est écrit combien il en reste. Ah c'est sur l'écran, c'est la barre verte. Et oui, j'aimerais bien finir ce niveau pour voir ce qu'il y a après quoi. Allez, viens ici toi. Hop. J'en ai vu un avant. Il y en a un par là. Heureusement qu'on n'est pas limité en phaser. D'accord, faut pas se rapprocher de trop près, sinon il tire dessus. Allez, encore un et on passe le niveau. Il est sous moi, je crois. Ou quoi, maintenant il faut en faire 25. Ouais, ben on revient dans les astéroïdes, donc ça c'est pas top. En tout cas, comme vous voyez, j'ai pas masse de jeux, puis je pense pas qu'il y en avait masse non plus.
Il y a quoi encore? Un shoot'em up, un jeu de plateforme dans lequel on a un insecte. On va aller voir ça, tiens. Qu'est-ce que c'est? Tempo, ça me dit rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là il tire, là il saute, et là il donne des coups de pied. Ouais, la musique est sympa, mais ça va pas à 120 km/h. Hein. En fait, c'est pas des tirs qu'il a, c'est des notes de musique qu'il envoie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un avion. Ok, le parasol ça peut servir à ça. On peut sauter sur les personnages. Ah d'accord, c'est ça en fait qui nous a fait rebondir. C'est vrai, il faut sauter sur la tête des persos. Bah dis donc. Ok, j'ai une barre de vie. Je comprends un peu mieux. Est-ce qu'en prenant les devis, ça me remet de l'énergie? Ouais, c'est ça. Bah, le jeu est très fluo. Hein. Après, je dis pas que c'est le chef-d'œuvre de l'année. Qu'est-ce qu'il veut lui à côté? Se taper? Tiens, je shoot dans la poubelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un jeu de boxe, il y a un peu tout. Oh, il y a Virtua Fighter. Ah tiens, c'est vrai, il n'y a pas le jeu de voiture normalement. Jeu de Formule 1. Oh, on va aller voir Virtua Fighter. Ah, pas le bon bouton. Je crois que j'avais joué à Virtua Fighter, mais c'était sur la Dreamcast. Ou la Saturn. Aishan. Oh my god. C'était le saut ça. Je sais qu'on pouvait tourner autour de l'écran.
Ah ben, l'IA, il faut être très intelligent par contre. Ouais, j'ai joué une version Dreamcast, je pense, parce que c'était un peu mieux détaillé quand même. Quoi, je me suis pris un coup de pied. Par contre, quand elle saute, on dirait qu'elle a une lévitation. Je croirais sur la lune. Allez, tiens, prends ça dans la tête. Approche. Ah bah j'ai gagné autant. Un souci avec les sauts quoi. Oh lui il rigole pas. Il y a peut-être des combinaisons de touches. Là il m'a tapé dans le dos. Ah bah je pense qu'on a fait le tour, vous avez vu, de toute façon il n'y avait pas quand même un max de jeu quoi, on va essayer de finir ce combat. Mais ouais, il y a un problème avec des sauts quoi. Donc, on va essayer de le tuer, ça serait bien. En tout cas voilà, donc c'était l'émulateur 32X pour le Recalbox sur Raspberry Pi. Comme toujours, si vous cherchez des ROM, eh ben, j'aurais tendance à dire Google est votre ami. Parce que je ne peux pas vous donner de lien de site, quoi, mais vous en trouvez beaucoup sur Internet. Mais j'ai gagné autant. Alors on va mettre la pause. Donc comme d'habitude, eh ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires. Et vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.